Écoute, Alex, ça peut plus continuer comme ça. Si t'avais accepté de me voir, jamais je ne t'aurais téléphoné. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu comprennes que nous deux, c'est fini? Il n'y a plus rien entre nous. Je vois. T'as tiré ton coup, à présent, tu veux qu'on te fiche la paix? Pourquoi tu fais ça? Je fais quoi? Tu sais ce qu'il te faut? Mais il me faut rien. Si. Faut que tu vois un psychanalyste. Pourquoi tu es si hostile? Je suis pas ton ennemi. Alors pourquoi t'essaies de me faire du mal? J'ai jamais essayé de te faire du mal, Dan, je t'aime. Qu'est-ce que tu dis? Je t'aime. Alex, tu ne me connais pas. Comment tu peux dire des choses pareilles? On a passé un week-end ensemble, c'est tout. On a passé une deuxième nuit, j'espérais que tu m'aimes un peu. Puis c'est parce que j'étais inquiet pour toi, rien d'autre. Pourquoi tu vois des choses derrière les gestes les plus simples? Ouvre les yeux, essaie de comprendre. J'ai une vie parfaite avec quelqu'un d'autre que toi. Je suis parfaitement heureux. Ah, t'es parfaitement heureux? Si ta vie est si parfaite, qu'est-ce que tu veux m'y faire dans la mienne? Tu veux qu'on parle de nos amours imaginaires, hein, c'est ça? Nos amours imaginaires? Je suis enceinte. J'ai vu mon gynéco samedi. Tiens, prends sa carte, appelle-le. Attends, tu prends aucune précaution, non? J'ai fait une fausse couche il y a un an, je pensais que je courais plus de risques. Comment tu sais que c'est de moi? Je couche pas avec tout le monde. Hein. Okay, je te demande pardon, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, je vais pas te laisser régler ça toute seule. Régler quoi? L'avortement, je ferai le nécessaire, c'est moi qui m'occuperai de tout, je paierai les frais. Tu vas me faire avorter? Tu vas pas garder ce bébé. Mais pourquoi pas? Il y a tellement de mères célibataires. Elles risquent pas de divorcer au moins. Et moi j'ai rien à dire. Mais je veux cet enfant, que tu veuilles ou non, ça m'est égal. Alors pourquoi est-ce que tu m'en parles? Mais dis rien si c'est ça! J'espère qu'il fera un peu partie de ta vie. Quand réfléchis bien, il faudra qu'on vive avec ça le restant de nos deux vies. Mais je sais tout ça. Je sais que t'es pour un sentiment de panique, c'est normal. T'auras aucun problème, je te promets. Je ferai un jeu avec moi. Je referai un jeu avec toi. T'es complètement sérieux.